Alors, avec ton joueur, ton transfert, ça s'est fait ou pas? Il y a encore Fulham qui a encore essayé de faire une offre et le conseil d'administration de Twente l'a rejeté. Ouais. Pauvre Daniel. Ben. Voilà, enfin, il y a eu un revirement de situation parce qu'ils étaient prêts à le laisser partir et puis ils ont changé d'avis. Mais c'est chiant. On dit que la Belgique va être championne du monde en 2014. Hein. Non, après, il faudra être champion du monde au Brésil. Hein. Ouais. C'est tout au Brésil. Il va falloir aller battre les Brésiliens de chez eux. Ça ne va pas être si simple. Mais enfin, on les met parmi les favoris sur le papier. Mais enfin, c'est vrai qu'elle est très forte, l'équipe. Hein. Tiens, Wilmot, j'étais son chef de peloton à l'armée, en plus. Tu sais, j'étais toujours un peu planqué, le joueur de foot. Toujours. Toujours planqué. Extension, genou. Extension. Oh non. Facile. Oh, les copains. C'est vraiment facile, hein. Non. Allez, écoute. D'accord. Un. Hop. Oh non. Le kiné, là. Il a dit t'as pour combien de temps? Là, ça fait 4 semaines que je suis à l'arrêt. La tendine, elle est moins maintenant. La fonction a diminué, donc il faut que je prenne le temps. Sinon, ça va devenir chronique. Salut, ça va? Comment allez-vous? Mignon, hein? Dernier. Il est beau, hein? Ah oui, il est beau. Dernier Charlie. Ouais, il a des cheveux. Oui. Salut, beaucoup, Jamel. Bien. Ça va? Ça va bien? Oui. Ben voilà, le petit déjeuner à 9h du soir, rue. Hein, que... T'as les joueurs d'Arsenal qui veulent absolument le voir et qui ne parviennent pas à le voir puisqu'il est blessé. Ouais, on appelle à l'impatience maintenant. Avant qu'un transfert ne se fasse, ils visionnent, ils revisionnent, ils envoient un autre, puis un troisième, et puis ils recoupent les informations, et puis ils essayent de voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Histoire de pouvoir diminuer le prix, peut-être. Hein, c'est combien? Alors bon, il y a tout ça. Aussi de leur parcours. C'est pour ça, le fait d'être blessé, maintenant, c'est pas de bol. Le soin n'est pas sans contrat. Hein. On va attendre. Donc j'ai été simplement leur expliquer qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, mais que Nasser n'irait en Angleterre, que si c'était une réelle promotion financière. Mm-hmm. Donc il y a déjà une chose, il faut qu'ils aient des sous. Et il faut en plus que celui qui vend, le club qui vend, soit d'accord de vendre. Alors tu sais, ils ne se disent pas c'est autant. C'est pas comme prix affiché quand tu vas acheter un kilo de banane. Hein. J'ai bien mon avis, mais moi j'ai l'avis qu'ils vont proposer 10 millions. Et que les autres vont refuser, ben ça ne sera pas suffisant. Oh, Samira. Allô, Ruby. Ça va bien, Ruby? Ouais, ça va. Et quoi? Ça va. Non, joli aujourd'hui, franchement, pas qu'aujourd'hui, excuse-moi, mais je ne reviens pas du travail, c'est pour ça. C'est vrai. Et nous, ça, là, c'est un vrai. J'espère. Parce que c'est assez. Ah, ça mérite, hein. Oui. T'as eu quoi? En plus, elle a bien mis en évidence. Elle a bien sur le. Ok, j'ai pu voir. Moi, c'est pas comme mon anniversaire, c'est fin du mois. Elle a déjà demandé. À fin du mois? Ouais, c'est vrai, c'est fin du mois. Fin du mois. Merci. Qu'est-ce qu'on va bouffer? Je sais pas. J'ai pas encore regardé. Et où est-ce que vous aimez mieux qu'il aille? Benfica, c'est pas Mauricio. Benfica n'est pas un club qui paye beaucoup. Bayern, ce serait bien aussi. À condition que Ribéry ou Robben partent. Mais... Qu'est-ce qu'ils avaient demandé au Real à l'époque? 60 millions, c'est ça? Ou on avait offert 60 millions et c'était pas assez? C'est la première enfin, année des trucs de fou. Bayern. C'est clair que ils ont tous leurs belles voitures, tous de beaux vêtements. Maintenant, de là... Exagéré comme certains, quand ils sortent, ils dépensent des sommes astronomiques, etc. C'est pas son cas, parce qu'il a conscience d'où il vient et on est un peu les grands frères. Et... Non, c'est pas facile, mais c'est pour ça qu'on est là, on est là de temps en temps, dire hey, gamin, calme-toi. Hein. Enfin, c'est un peu ça, quoi. C'est pas facile parce que moi, j'en ai connu beaucoup qui viennent même, hein, ils viennent d'Afrique ou du Brésil, puis ils arrivent. Et lève-la à Monaco, par exemple. L'argent coule à flot.
quand ils vont acheter des paires de chaussures. Moi, j'en ai connu qui avaient une chambre pleine, rien pour les chaussures. Ceux qui payent, ils disent, putain, t'as vu le rendement, il n'y a plus rien du tout, on paye et puis ils ne jouent pas. Oui, mais enfin, c'est classique. Bonne poche là qui arrive, c'est lui. On passe. Allez. Ça va, Nasser? Ça va. Comment ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Ça, c'est Junio en futur, Nasser? Ça, grand joueur. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va? Et Junio, il a même parcouru toi. Hein? C'est bien. Tanda, ils n'ont pas voulu de lui. Là, il joue à Saint-Tron. Le coach est content. Ouais. Il commence à jouer. C'est comme ça que ça va, le hein, football. Ça va vite, hein? Merci. Ruby m'a dit que tout allait bien. Il va te voir comme assez souvent. Voilà, j'ai essayé de faire le même parcours que toi. Ouais, j'espère pour toi. Il faut beaucoup travailler. J'espère que ça continue comme ça. Et tu vas progresser, tu vas voir ton niveau, il va augmenter. Voilà. Je viendrai une fois te voir, je l'ai dit aussi. Il va te voir. Pas de problème. Ça, ouais, tu mets un petit goal. Ouais, pour toi, ça va. T'as joué en Corée, toi? J'ai joué, mais bon, en Corée, ils étaient tous aveugles. Hein. Bon. C'est pour ça qu'ils t'ont pris, c'est ça qu'ils ont dit. Payé, ouais. Tu sais, en Corée, quand on joue au match, les joueurs ne font pas les choses qu'ils doivent faire. Alors le matin, le coach il appelle le joueur, il met dans un cercle comme ça, et nous on est tous debout comme ça. Alors le coach avec le coréen comme ça, il met la main là, et tout le monde autour, hein, il a dit « non, 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 oh je comprends rien, je suis là, aïe, tac, dans la gueule, ah, le coréen là, il bouge pas, l'autre, tac. Pourquoi t'as pas fait? Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, non, non. Des tartes gratuites. Mais c'est des trucs, c'est pas possible. Salut. Ça va? Ça a été? Ouais, ça a été. Ouais. Mais il m'a dit que demain, je m'entraîne avec. Avec la première. C'est bien, hein? Tu commences fort. Ah, si tu t'entraînes avec la première, il faut être plus calme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas expliquer à tout le monde ce qu'ils doivent faire, il ne faut pas leur demander de donner la balle, etc. Parce qu'ici, tu avais l'air d'expliquer un peu à tout le monde, comme si tu savais mieux qu'eux. Il faut la jouer un peu humble. Tu comprends ce que je veux dire? Donc humble à ta place, posé, comme le petit qui arrive timidement dans l'équipe première et... Tu joues crânement ta chance sur les ballons, mais tu expliquerais à personne et tu ne fais pas des gestes. Parle-moi un peu du gamin. Junio, je te vois un match contre le GBA. Lui, il a fait un match extraordinaire. Lui, il a fait un match... L'entraîneur Rive d'Anversé dit, t'étais mauvais, t'as fait un mauvais match. Là, j'ai pas compris, là. Il arrive, il le montre, papa. Il dit que j'étais fait un mauvais match. Tu dis quoi? Tu crois que c'est quoi? Parce que lui, c'est raciste ou... Donc finalement, c'est un des seuls qui a un contrat. Et c'est une victime. Mais voilà. Pour... C'est une victime. Voilà. Ils sont des tas à vouloir jouer au foot, à vouloir être professionnels. Il faut absolument qu'on parvienne à faire en sorte que le gamin il ait la maturité de se dire « Moi, ce qui compte, c'est que je devienne professionnel dans le football. » C'est le même parcours qu'il nassait. C'est magnifique. Junior.
déjà pensé. C'est au premier match. Il a la moitié des ballons tout seul. Oui. Allez, il me prend le ballon. Lui. Déjà tout le monde a déjà. C'est déjà tous ceux qui sont venus voir le match savent déjà qui c'est. C'est vrai? Oui. Il a joué. Merci, merci. T'as fait un bon match. Hein. C'était ton premier match avec une équipe première. Le premier but. Ton premier but. Il va me payer un bel pour aller à la maison. Ouais. Ouais. Rien, mon sac, la bombe perdue. Qu'est-ce qu'on va faire avec ton fils? Qu'est-ce qu'on va faire avec ton fils? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont venir le voir. C'est son premier match avec une équipe première. Il va se faire repérer vite. Hein. On va te faire une tête comme ça, on va lui faire une tête comme ça. Vous parlez vite. Les gars, moi j'ai rien à voir là-dedans. C'est Monsieur Evra, vous pouvez le téléphoner, c'est lui qui s'occupe du tout, fini. Moi je dis rien. On va faire un bon plan de carrière, pas trop vite dans les grands championnats. Parce qu'il a une croissance, tu vois, il a une croissance un peu tardive. Enfin, hein. Il va devoir devenir plus costaud et puis il sera peut-être un jour à Arsenal. Moi, hein, j'espère bien, moi. C'est ça qu'il faut. Qu'il arrive à l'heure, à l'entraînement et tout ça, ça ira, ça. Oui, oui, parce que... C'est toi qui conduis la voiture. Non, c'est Bergui. C'est le grand. Et pour la... Parce qu'au matin, je travaille. Parce que moi, je commence à 4h30 du matin à travailler. Un an et demi ici, 2 heures maxi. Et puis il va au Lord 2 ans. Vous allez partir en France, mais c'est vrai déjà, non? Vendredi. Déjà, vendredi? Ça va froid? C'est un peu. Il ouais, faut faire attention, ça. Il ne faut pas prendre froid après les matchs. Qu'on est tout plein, plein mois de juillet. Ouais, en plus, on doit être en été là. Ah, c'est la Belgique. Mais c'est vrai, hein, vous croirez en Suède. Hein. C'est la Belgique. Donc là, bientôt, on va le sortir de la marine. C'est souple, oui. Pour une mise en février-mars 2013. Et alors, on fait les habillages en fonction du pays de destination. Bien sûr. Et tu vois toutes ces étiquettes. Ça, c'est pour la Chine, celle-là. C'est fou, hein, ouais, tout ça. Il a l'avantage d'avoir vendu une de ses propriétés au chinois. Il est tranquille, lui. Bernadette, elle voudrait faire bien vendre la sienne au chinois. Il crache tout le temps. Non, mais c'est vrai que les Chinois, oui, les Chinois sont comme ça. Ouais. Ah. Le pire, c'est que tu lui fais manger. Il amène toujours des sachets. Donc, il les ouvre. Ah non, de manière générale, je les pose pour que tu les vois, que tu les serves. Mm-hmm. Et dedans, c'est des poissons séchés, en fait. Ah mais oui, mais l'autre jour, quand il est venu, là... Je te jure, je désinfecte l'assiette, moi. Ils ont de la bouffe plein les dents, puis une crache. Ils sont sales, comme tout. Et alors, ils mangent toujours la bouche ouverte. Ouais, et ils doivent faire... Parce qu'il paraît qu'on goûte mieux les aliments quand on mastique et quand... Ils sont abominablement dégueulasses. Ah oui, te sers un Lafite Rothschild rempli jusqu'à la gueule. Elle dit, Daniel, Lafite Rothschild, qui dit, campé, full, qui dit, hein. Tu te tapes en cul sec tout le verre de Lafite Rothschild. Les gros verres ballons avec plus de pieds, ils posaient ça à la bouffe. Comme ça, oui, parce qu'ils n'avaient plus de pieds. Ils n'avaient plus de pieds, donc ils les posaient dans leur. La soirée, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça, avec les verres. Et oui, plus de pieds. Ils avaient tout cassé. Et puis pour le poser après, il le mettait dans l'assiette, dans la bouffe, en fait. Ah mais oui. Après, je dis, bah, c'est de la porcherie, quoi. Je dis, la prochaine fois, c'est la première fois qu'il venait. Je dis, la prochaine fois, c'est toi le ciré. Et, Fruits de mer, ils sont à fond, fruits de mer. On mange beaucoup de poissons, des crabes, hein. Voilà, des coquillages. Mais là, quand tu leur sors des fruits de mer, c'est la pâte aux joueurs, là. C'est... Et là, ça saute de partout, il y en a partout. Il y en a partout.
Tu étais là quand on a dû bouffer ces gros frelons confits là, oh, avec oh, la poche toute jaune qui était pleine de sucre, et ils étaient en train de sucer les tripes de, ah non, de ces frelons là, qui prenaient par les ailes. Non, c'était dégueulasse cette affaire. Ça, je ne sais pas bouffer, comme les vers, hein, quand ils viennent avec les larves, les vers, les chenilles, les trucs. Mais c'est pas sympathique. Ils aiment bien de se faire les cheveux spéciaux. C'est bien ça qu'on fait. Ouais, hein. Junior, Junior, quel mec. C'est énergique quand même. Ouais. Tout d'un coup, il y a tout le monde qui se réveille. Il y a toute la presse française et toute la presse portugaise qui parle de Nasser partout. Les Anglais se réveillent, à mon avis. Il se pourrait qu'il n'ait plus grand. C'est le moment. Mais oui, c'est le moment de partir. Quand Marseille s'intéresse, par exemple, à Nasser, ce qui est le cas, c'est un secret pour personne. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est 90% d'impôts. On va aller signer un contrat là-bas pour. Pour gagner des cacahuètes. Aller dans des pays qui ne vont pas encore, en tout cas, pratiquer de politique fiscale confiscatoire. De toute façon, il va partir. Nasser est de toute façon en position de force par rapport à sa fin de contrat. Et donc il va pouvoir presque choisir. Hein. Alors pour lui, il va devoir choisir entre une formule avec beaucoup d'argent, qui sera plutôt une formule turque ou russe ou équivalent. Mais enfin, c'est pas la même chose que quand tu joues dans le foot anglais qu'on parle de toi tous les week-ends. Ah, ça, c'est plus agréable. Hein. On parle autrement de Fellaini et de Hazard qu'on parle de Le Jard. Il y a tout le monde qui s'énerve. Il y a les managers qui sont de tous côtés parce qu'ils entendent. Ils entendent évidemment qu'on veut Nasser partout. Ouais. On est vraiment attaqué sans cesse. Alors ce serait bête, évidemment, d'aller perdre un peu notre avantage et l'avance qu'on a sur tout le monde, d'avoir travaillé pendant 3 ans sur un transfert et puis de se faire coiffer en dernière minute par. Pierre-Paul ou Jacques, hein, qui vient faire miroiter quelque chose. Donc. C'est vrai que c'est stressant. Hein. Ouais, c'est stressant. Parce qu'il reçoit des coups de fil toutes les semaines. Hein. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Et tous, c'est les meilleurs du monde. Ouais. Tous, ils ont Torres ou Ronaldo dans leur écurie. Et donc, ils savent, ils connaissent, ils savent mieux que toi. C'était un peu long au Mexique, 12 jours. J'aurais préféré une semaine, 7-8 jours, c'était assez largement. Ouais. Mais on a fait des activités. Hein. On a nagé avec les dauphins, on a fait de la plongée. À 12 mètres de profondeur. Mmh. J'ai été tu te rappelles que j'ai été contacté par un certain Léon Calender. Mmh. Ouais. C'est lui le patron du dénommé Abdoul, que tu connais, qui est le cousin de Moussa Dembélé. Donc, Calender m'a expliqué qu'il était l'agent du 55 joueurs et qu'il avait notamment fait le transfert de Samba Diakité il y a quelques semaines. Mais en fait, ces gens-là n'ont jamais travaillé pour Samba Diakité.
Je suis un peu perplexe, évidemment. T'as quelqu'un d'intelligent, t'es pas con. Hein. Non, mais ici, j'ai du coup pas envie de faire avec eux. Mais c'est normal. J'ai pas envie de travailler avec des menteurs. C'est normal. Et ils ne se gênent pas pour monter à gauche et à droite pour voir s'ils peuvent attraper quelqu'un. Enfin, je n'ai pas voulu les envoyer bouler comme ça non plus, sans t'en parler un peu. Mm-hmm. Parce que je ne connais pas vraiment la nature de ta relation avec Abdoul Enko, quoi. Non, ça, c'est un ami, mais Abdoul, je ne le connais pas depuis longtemps. S'il a déjà menti sur ça, je lui dirais, écoute, tu mens sur des conneries, ça me plaît pas. C'est simple que ça. J'ai des coups de téléphone tout. J'ai bien des 3-4 coups de téléphone par semaine. Belle volaille, ça, hein? Je suis assez affecté par le comportement de votre frère. Il y a 6-7 semaines qu'il a signé à Tottenham. Nasser a réalisé son rêve, il joue à Tottenham. Alors il a des nouveaux potes qu'on ne connaît pas trop. Il a fait sans nous qui étions ses agents. Il a été berné par certaines personnes et voilà. Nasser avait un peu peur, il craignait que nous soyons peut-être un peu isolés, qu'on ne soit pas en mesure de satisfaire évidemment ses désirs. Alors, nous avons mandaté ce qu'on appelle un agent puissant, puisque c'est un des deux plus grands agents du monde, qui s'appelait Pini Zahavi. Et un jour, on m'a dit que Nasser a signé à Tottenham. Hein. On n'a pas été invité à participer à la signature, à présenter le maillot, au premier match. On n'a plus de coup de téléphone pendant un mois et demi. Et on a été droppés comme des chaussettes, en quelque sorte. Et tu sais, ils sont jeunes, c'est beaucoup d'argent. Il y a pas mal de gros poissons dans l'aquarium qui viennent pour essayer de s'immiscer dans les affaires. On n'était pas présents pour les dissuader de fréquenter ces gens-là. Même vis-à-vis de la famille. Hein, l'un ou l'autre copain à qui ça incruste, hein, et qui joue au pique-assiette. Hein. Mais il y en a un qui ne m'a pas oublié, moi. C'est Zahavi, parce qu'il me réclame 3 millions d'euros à moi. Donc je n'ai à ce jour rien eu, mais je me fais réclamer 3 millions d'euros. Ah, ouais.